Puisque c'est en se parlant que nos univers fuseront et donneront naissance à un monde plein de compréhension. Quand je repense à tout cela, je me dis que l'amour en est forcément le premier pas. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Mythic Paradox, on se retrouve pour l'épisode 2 de notre aventure sur Lego. La grande aventure, le jeu vidéo, j'allais encore dire Lego City Undercover, alors que pas du tout. Donc dans le dernier épisode, on avait fait une petite mission qui avait duré pas si longtemps que ça, mais bon, c'était le tuto. Là, on démarre ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça a réparé? Ouais, on peut réparer. Donc on incarne... Emmett, et avec nous on a Franck, le contremaître, ok. Donc voilà, donc, on était, dans le dernier épisode, on était avec Vitruvius qui nous parlait d'une prophétie. On va, donc on va voir ce que ça donne. C'est sûr, il est quelque part. Bon. La construction de Bridgeburg. Vous avez vu où est mon pantalon hier soir? C'était excellent. Et mon pantalon? Un drôle! On a des instructions du central. Ok, on doit prendre les trucs bizarres et les faire sauter. Écoutez les têtes de pioche, ça doit être exactement comme sur les instructions. J'adore cette musique. La journée est presque finie et le porche de cette maison n'est pas terminé. Les instructions sont dans le tube d'approvisionnement. Je sais pas si honnêtement le premier qu'on a fait, je pense pas que c'était une mission. Je pense que c'était plus un tutoriel. Un tutoriel, pardon. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. J'ai essayé de découper comme ça, au pire tant pis. Tant pis, ça fera le nombre d'épisodes que ça fera. De toute façon, le jeu sera fait à 100%. Comme tous les Lego. Enfin, tout. Comme pas mal de Lego récents que je fais. C'est vrai que du coup on est dans une bonne phase Lego là, je vous l'accorde, mais bon. Enfin avec Lego Batman, Lego Shima, Lego Star Wars 7, et puis ça, bon, honnêtement... Enfin, vous le savez, moi j'adore les jeux Lego, donc si ça vous déplaît, enfin, j'ai envie de vous dire vite, bah, désabonnez-vous, c'est sûr qu'il va y en avoir sur la chaîne. Le tube est cassé. J'espère que t'as ta clé sur toi. Oui. Espérons. Espérons. Bon. Hop. Oh! Je sais qu'apparemment, ce Legolet a quand même été très mal noté. Mais l'univers est quand même assez cool. Donc, moi perso, c'est un Lego qui me plaît. Après, c'est vrai que le 100%, d'après ce que j'ai compris, le 100% était quand même assez vide. Donc là, faut prendre Gale. Après là où pardon. Et on a notre fiche d'instruction. Super, les instructions. On se met au boulot. Pas rentrer, non. Allez, on le construit ce Porsche. Alors. Ok, ah c'est cool. Je connais pas ça. Je connaissais pas ça. Ouais, hey, ça me fait... Ça, c'est du Porsche. Y a pas une brique qui dépasse. Ok, les gars. On vous attend de l'autre côté du site. Je vous dépose. Putain, c'est cool. Cool comme niveau. Wow. C'est cool comme... Enfin, comme principe, plutôt.
Ok. Il était temps. C'est trop sympa de vous pointer, les gars. Je vous mets à la démolition. Allez vous chercher un marteau piqueur dans la remise. Ok, donc hop, on a les marteaux piqueurs qui sont là. On va voir vite fait comment entrer. On va vite fait voir. On va vite fait voir comment entrer. Alors, comment est-ce qu'on pourrait rentrer ça je peux l'activer. Ok. Tac, donc on a notre marteau piqueur. Il faut enlever l'ancien macadam de cette route. Et cette maison rose part dans tous les sens. Elle va pas dans le décor. Attaque-toi au mur et l'ensemble s'effondrera. Ah oui, ok, c'est... Ah oui. En effet. C'est un petit peu chelou. Bon. Hop, on casse tout. Ouais, ceci dit, vivement que j'ai les émois à pied, c'est des trucs comme ça. Oh, hop. Eh oh. Ok, faut rester appuyé. Autant pour moi. Ok. Ah, ok. Regardez. Si je fais ça, en fait, j'ai là. Ok. Ça va, c'est cool. Hop, on va récupérer un petit peu toutes les pièces. Bon, même si honnêtement, à 100% pareil, difficile, voire même impossible. Bon, honnêtement, pour vous le cacher, le 100% pièce, je m'en fiche un petit peu pour le moment. Je vais plus essayer de voir à récupérer les pièces pour ne pas être en manque après. Pour ne pas être en manque après et voilà, enfin, pouvoir m'acheter le personnage qu'il me faudra pour commencer le 100% quand on fera le 100%. Mais bon, on est encore au tout début, on est à l'épisode 2, on se calme. N'oublie surtout pas le jardin. C'est un peu trop sauvage. Hop, ça c'est fait. Qu'est-ce qui reste à casser? Il n'y a plus rien à casser. C'est pas peut-être ça? Non. Non. Il doit peut-être rester des petits trucs. Je vois pas. Je vois pas ce qu'il me resterait à détruire. Là, il reste plus rien en fait. Pas que le niveau a bugué. Ah, ça en fait partie, ok. Enfin, me dis pas que le niveau a bugué parce que je sais que la version DS, il y a justement. Bien enfin, joué. Ce niveau-là. Il va falloir raser cet immeuble. Mais les marteaux piqueurs ne feront pas l'affaire. Si tu cherchais des instructions pour construire un boulet de démolition plutôt. Je disais sur la version 3DS, ce qui est l'équivalent à ce niveau-là, il a un gros bug. Ce qui fait qu'il y a un objet qui apparaît pas, et s'il apparaît pas, et bah vous pouvez pas faire le niveau. Oui, oui, je crois. Enfin, quelque part. Je peux pas vérifier tant que la machine à instruction est HS. Tu pourrais m'aider à la réparer? J'adore. Moi j'adore le concept de jeu qui allez, fait que au final. À la page suivante. C'est trop demandé ou quoi? Au final, c'est ce que nous on voit. C'est ce que nous on voit, enfin. Nous, quand on construit les Lego, on a les mêmes instructions, entre guillemets. Quelqu'un a touché quelque chose? Vous arrêtez pas si c'est le cas. Ok. Je suis pressé qu'on ait tous les persos principaux. Je vais pas spoiler encore une fois. Enfin, je veux pas spoiler. Mais vous allez me le décharger ce camion? J'ai des horreurs à tenir moi. Mais moi j'ai dit moi il y a vraiment il y a des personnages principaux pardon que j'adore. Du style le gros méchant qu'on a enfin le méchant qu'on a vu dans l'épisode précédent pour moi j'ai trop classe. Donc bon.
Ok, ce sont un peu de pièces. Oh, qu'est-ce qu'on pourra faire? On peut casser ça? Non. Ça, ce sera sûrement pour plus tard. Encore une fois, pour ceux qui connaîtraient notre don't spoil, je crois savoir avec qui c'est, mais je veux pas spoil. On verra ça au fur et à mesure. De toute façon. Oh, une pièce bleue, ouais. Je me disais bien qu'il y avait une pièce bleue que j'avais ratée. Hop. Ok. Ouais, ouais. Continue, t'arrêtes pas. Vas-y, Emmett. C'est bon, t'y es. Oui, ça marche. Oh, les instructions pour le boulet de démolition étaient dans ma poche arrière. Ah oui, je perds la boule. Brutti. Je crois qu'il n'y a que la moitié. J'ai dû laisser le reste en haut de ce bâtiment. Quelqu'un a bien dû les ramasser. Ok. J'ai dormi longtemps. Oh, je suis en retard pour ma pause café. Je trouve que dans ce Lego-là, l'humour Lego est encore plus présent vu que voilà, c'est entièrement eux qui l'ont créé, ce qui fait qu'ils peuvent se permettre de... Enfin, ils savent comment jouer avec leur humour. Oui. Trouve un moyen d'inverser les tapis roulants. Ça va jouer par là, je pense. Un moyen d'inverser le tapis roulant. On doit inverser le sens de ce tapis roulant pour monter sur le toit. Et tu as une idée de la façon d'atteindre l'interrupteur? Ah, monte là. Non. Ok, c'est bon. Ok. C'est ça qu'on l'a jamais utilisé en fait. Hey, en fait elle... Mais bon. Hop, on va reprendre les mètres. Allez, on monte. Merci. Hey, tu peux dire au gars que la pause est finie depuis 10 minutes. Dis-leur aussi que j'aime pas trop me retrouver interdit de cabane de chantier. Les gars, la pause est terminée. Ils m'écoutent pas. Débrouille-toi pour les faire sortir de là. Non. Je récupère des pièces. Ne m'embête pas quand je récupère des pièces. Ok, bon. Ok. T'aurais pas vu les instructions pour un boulet de démolition, à tout hasard? En fait, oui. Fais sortir ces clowns de cette cabane, et je te les donne. Ah, là, ça peut se négocier, du coup. Si t'as ce qu'il me faut. Si t'as ce qu'il me faut, ça peut se négocier. Ok. Ça, ce qu'il me faut, ça peut se négocier. Voilà, encore une fois, on est dans un jeu Lego. Excusez-moi, je démolis tout. Attendez, je peux pas casser ça. Si. J'ai hâte aussi d'être un passage. Bon, je vais arrêter de vous teaser. Mais bon, on verra. Je crois que je me souviens de ce passage. Ouais. Je m'en souviens de ce passage.
Je crois que je connais ce passage. Je suis pas sûr, mais je crois que je connais ce passage, en effet. Vous voyez que, voilà, cet épisode est un peu plus long. Bon, c'était le premier. Ouais, je connais ce passage. Vous allez voir, pour ceux qui connaissent pas, c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça génial. Moi, je trouve ça génial. Moi, je trouve ça génial. J'adore cette chanson. Cette chanson est géniale. Ouais, ça bouge. On bouge son. Allez, on danse. Allez, viens avec nous. What? Reprends-toi, voyons. J'ai des problèmes sur mes touches. Ok. Pas de chance. Tu peux mieux faire. Tu nous fais honte à tous. Voilà. Ok. Ça, j'ai dû. Non. Ça me fait mal de voir ça. J'y arrive pas. Recommence ça et je vais te faire comprendre ta douleur. Putain, j'y arrive pas. C'est trop dur. Que tes pas de danse font vraiment peur. Putain, c'est trop dur. Enfin, le problème c'est qu'en fait, voilà, j'ai une manette décalée. En fait, j'aurais une manette. Je pense que j'aurais eu la manette en face de moi. Je pense que j'aurais pu. Est-ce que je peux recommencer? Les instructions. Je te les avais promises. Non, bon bah tant pis. On verra ça plus tard. Pire. On le refera à 100%. Vu qu'en fait, moi voilà, enfin moi, c'est une manette. Si vous voulez, c'est, j'ai une manette. Ok. Construis-moi un boulet de démolition. Regardez. Si je fais option contrôle, c'est considéré comme une manette de Xbox. Sauf que le problème, c'est que ma manette, j'ai pas les mêmes touches qu'une manette Xbox. Bon, allez, hop, on est reparti. Ça va, ça c'est relativement simple. Il faut ça. 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 Ouais. Ça, si on gère bien, on peut avoir beaucoup de pièces. Un gros coup de boulet et tu démolis cette verrue. What? Je comprends pas. Ok. Ouais, continue. Ok. Presse. Bien joué et pile dans les temps. Oh merde. J'étais pas prévu ça. Je sais pas. On a le 100% pièce. J'avais prévu de m'arrêter moi. Lol. Ah, regardez, j'ai les pièces qui nous marquent de côté. Je pense qu'on peut pas les avoir. Je pense que limite c'est fait exprès pour qu'on les ait pas. Mais en tout cas, on a le 100% pièces, c'est plutôt cool. Ah merde, il m'a terre. Oh, c'est incontrôlable. Il y a de la latence.
What the fuck? Je sais pas si vous entendez, j'ai un bruit qui fait un bordel monstre. Merde, c'est passé personnage. Bon. Ok, bah on a pris pas mal de choses. C'était plutôt cool. C'était plutôt cool. C'était plutôt cool. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. En tout cas, voilà. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, allez, salut à tous. C'était Paradox. Oh, 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 oh. Ok, on peut déjà acheter du personnage. On verra ça plus tard. Pour le moment... Ok, pour le moment, c'est très bien ce qu'on a. Ouais, on va acheter ce qu'on a, tant qu'à faire. Ok, on va essayer d'acheter tout ce qu'on a. Quoique, je ferais bien en sorte d'attendre, en fait. Est-ce qu'on n'attendrait pas? Quoique, au moins, comme ça, on les a, quoi. Bon, allez. Au moins, comme ça, on les a. Voilà. On a tout ce qu'on pouvait acheter. Bon, bah, c'est cool. Pour le moment, on a déjà pas mal de petits personnages. On verra, du coup, au fur et à mesure, à quoi ils servent. De toute façon, il y en a, voilà, ils servent à rien. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, allez, salut tout, c'était Paradox pour ce deuxième épisode de notre espèce sur Lego. La grande aventure, les jeux vidéo. Ah, il y a 20 briques rouges. Ok. On est déjà à 3% du jeu. Mais vous inquiétez pas. Je vous promets, on le fera à 100%. Allez, bye tout le monde. Bye bye.